Salut à tous, c'est Mr. Freeze, j'ai oublié de mettre mon casque. On va continuer Phoenix Wright. Donc c'est mal engagé, hein. Alors pour info, je refais la vidéo parce que j'ai perdu. J'ai perdu. La première fois que j'enregistrais la vidéo. C'est là qu'on voit que le jeu est devenu plus dur. Hein. Ouais. Oh, il l'a fait flipper. Alors là, au début, il va falloir faire attaquer sur presque toutes les phrases. Allez. Ok. Alors. Les autres, donc c'est à dire que oui, non. Ah, dégueulasse. Je vais pas manger. Hein. Là, faudrait dire que c'est contradictoire. Voilà, ce qui est con, c'est que, en fait, dans le dossier de l'affaire, ça on le voit pas.
Y a pas le truc des côtelettes. Donc là ça c'est chiant parce que si ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, on s'en rappelle pas. Le gars il cache des trucs très importants, genre il a pas mangé de côtelettes. Pourquoi cacher ça quoi? C'est vraiment le gars il a que ça fout de cacher de. Qu'il a pas mangé de côtelettes quoi. Enfin qu'il a mangé des côtelettes quoi. Mais je règle mon casque. Là vous devez mieux m'entendre je pense. Alors ça c'est très très important. On a déjà dit ça. On peut insister. Insister là. Le gars il pétait d'ailleurs comme ça. Vous voyez, dès le début c'est très dur. Hein. Parce que là, si on essaye d'aller trop vite et qu'au lieu de faire attaquer, on essaie de présenter des preuves, ben, on se fait défoncer. Et pareil sur le second témoignage. Voilà, Hunter est en confiance. Si tu veux. 13 en base 12, je veux dire. Ok, Attendez, on va attaquer de ce coup. Non, c'était ça le jeu de mots avec du Vasquez en fait. C'est pas facile, hein. Pause à 4, de 15 minutes à 14h30.
Je l'avais déjà dit. Voilà, vous voyez ce qu'il faut faire? Faut faire attaquer, même sur les trucs qu'on a déjà attaqué. C'est pour ça que je me suis fait niquer la dernière fois que j'ai enregistré la vidéo. Parce que j'avais déjà tout attaqué, je me suis dit... Bon, il faut forcément présenter des preuves, ben non. Faut continuer d'attaquer les trucs qu'on a déjà attaqué. Ah, c'est assez chaud. Alors je vais faire parfaitement, je l'affirme, parce que si je mets non, c'est impossible. Ça veut dire que tous les gens qui étaient dedans ne peuvent pas être coupables. Voilà, donc notre client est forcément coupable. Donc on va dire oui. Ouais. Objection, c'est madame, monsieur Baboon. Il a dit madame, donc c'est objection. Bon. Voilà, et ça, on est obligé en fait, on est obligé de perdre ce point. C'est-à-dire que si on se gourre 4 fois avant, bah on perd... Il y a un game over. C'est là qu'on voit que la difficulté a complètement augmenté dans cette affaire. C'est très très mal, très très mal engagé. Thank you.
J'adore avec la gueule, genre. What the fuck? Une caisse de beignets, que. Je sais pas trop ce que ça fout dans le tribunal. Mais... C'est pour ça qu'il est gros le juge. Hein. Ça c'est énorme parce que c'est lui qui disait de pas le malmener. J'adore. Entre la vieille et le gamin, ça doit être dur d'être procureur. La contradiction, on la voit déjà. Hein. La seule difficulté de ce contre-interrogatoire. Oh là, j'arrive pas à parler. De ce contre-interrogatoire, c'est pas facile à dire. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de phrases en fait. Ouais, il y a 9 phrases, hein. Je viens de compter. Donc là, bah, la contradiction, c'est l'appareil photo, justement. Parce que bon, voilà, il refuse même de venir sur son appareil. Hein. Et j'adore quand il vous voit le gosse, c'est trop marrant. What the fuck? Oh putain, un screenshot là. Cette tête. Non. Oh là là. On voit que le jeu date un peu quand même, hein. Ou c'est juste que le juge est très vieux. On le voit sur la caisse, c'est énorme.
Ouais, ça me paraît louche. Pourquoi il le cache alors qu'il a... Ouais. Faut pas trop insister, mais... On va essayer quand même. Ça, sérieux. Oui, mais ça, ouais, ça, on est d'accord. C'est à ça que je pensais, mais. Claque de samouraï. On s'en fout un peu, quoi. Regarde ailleurs. C'est pas très bien censé revenir, ça doit être ça, hein. Sinon il y aura pas la précision. Ta gueule. Je suis au courant de cela. Ah, oh, c'est énorme cette tête, ça. Bah ouais. Ouais. Ce que j'adore, c'est qu'on nous dit à la base de pas le harceler, mais en fait on est obligé. C'est juste pour faire peur aux joueurs, j'ai l'impression. Bonhomme.
Ok. Alors, ouais, on va réfléchir phrase par phrase. Bon, ça, ouais. Le samouraï d'acier venait juste d'échapper au goût du méchant. Hein? Ah merde, merde. Mon appareil pour prendre une photo. C'est-à-dire qu'il a quand même pris une photo, non? Putain, mais c'est un enculé ce gosse! Fait chier, c'était moi qui monte là. On sait pas s'il fait waouh, genre ouais, trop fort, ou. C'est vraiment d'accord. Petit con là. Là, c'est un putain de menteur de merde. Donc c'est forcément là, hein, c'est forcément là. Alors par contre, il sait pas prendre les photos, mais il sait les effacer. C'est ça qui m'éclate. Ah! Claire, c'est clair que c'est ça. T'as qu'à dire la vérité, petit con. Jamais raté une. Ce qui est trop con, c'est qu'il nous donne l'album. Alors à moins qu'il en ait deux. Bon, bon. Qu'est-ce qui se passe?
Non, il n'aurait pas effacé. Par erreur, c'est trop con. On va mettre ça. Putain, mais en fait, il s'est pas du tout passé ce qu'on a cru, quoi, au départ. Wow. Samouraï était la victime. Non. Objection. Merde. Mais c'était con ce que je disais. En fait, quand il y a une phrase trop bizarre, on se dit c'est forcément ça parce que c'est bizarre. Ouais. C'est pourquoi il a fait ça?
Ah, c'est. Alors qu'il se voit que son héros n'a pas perdu. Le martyriser. Ok. S, toujours. J'ai le truc. Ouais, c'est bien rapide. Le 2. Le 2. C'est Studio 1 qui va appeler Studio 2. Il était tout en haut là. Donc il était transporté après, c'est ça. Bah ouais, il y a tous les autres. Putain, what the fuck? Donc les deux ont menti? Alors il y serait allé, il serait caché quelque part, et après l'heure de la pause, quelqu'un l'aurait vu, l'aurait tué. Putain, ça change tout là. Ouais, ça je l'ai. Somnifère, c'est pas que ça. Hein.
Et ça, c'est là où ils ont... Ouais, ils ont bouffé. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé à ça. Du coup, il lui faisait exprès de traîner les pieds, parce qu'il savait qu'il était blessé. Mais ça veut aussi dire qu'il voulait qu'on l'accuse, du coup. Mais ça veut dire qu'il savait qu'il allait se faire tuer, c'est bizarre quand même. Ok. Essaie d'être avocat, mon petit. C'est le juge qui prend des initiatives, attention. Voilà, voilà. C'était bien chaud. Vous voyez hein, que la difficulté, comme je vous l'ai dit, a bien augmenté. Après, on sait toujours pas qui est le coupable. Bon, c'est forcément Salmonello ou Di Vasquez. Ou quelqu'un d'autre qui était présent ce jour-là, mais on connaît pas encore. Par contre, pourquoi il a mis le costume samouraï, ça. Voilà, donc il reste deux vidéos, enfin deux parties, deux chapitres, on va dire. Pour ce... pour cette troisième affaire, hein. Voilà, mais j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais pas oublier de sauvegarder cette fois, parce que la dernière fois, ce que j'ai fait comme un connard. Et j'ai dû me retaper tout le chapitre. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'essaye de raccourcir les vidéos. Ce que je vais faire, de toute façon, c'est à partir de la quatrième affaire. Il y aura des chapitres qui dureront plus d'une heure. Et dans la cinquième, presque tous les chapitres dureront plus d'une heure. Donc je les couperai tous en deux, en fait. Voilà. Voilà, c'était la quatrième partie de la troisième affaire. J'espère que vous avez apprécié, encore une fois. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Salut!